Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec un petit haul, ce ne sera pas un grand haul. Et je vous préviens tout de suite, il y a du bruit, donc vous allez entendre, il y a beaucoup de bordel aujourd'hui. Alors on va commencer avec Nose, parce que j'ai pas grand-chose, j'ai que deux articles, donc comme ça, je peux tout de suite ranger. Y avait des coussins qui étaient au prix de 1,81€. Des coussins comme ça. Vous voyez, ils sont grands. Ils sont super grands. Donc, vous aviez plusieurs modèles différents, hein. Moi, j'ai pris ce modèle-là. Vous voyez, c'est blanc au dos, comme ça, derrière. Et il y en avait. J'ai pris un autre. J'ai pris celui-là. Vous voyez, c'était bien 1,80€. 1,81€. Hop, pour le prix. Voilà, ça c'est pour Nose. Voilà, j'ai pris que ça. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Et voilà, je viens juste de rentrer. Hein. Ensuite, pour Action. Alors, pour Action, j'ai pris ça. Voilà, enfin, je l'ai enfin acheté. Donc, c'est un genre de petite app, vous savez, ça va me servir quand je suis dans mon lit, que je veux faire du coloriage, que j'ai envie de faire un diamond painting, que j'ai envie de faire des trucs, au moins. Voilà. J'en avais un autre, mais comme d'habitude, on me l'a piqué. Donc, j'en avais plus. Alors, ensuite, on a acheté des graines pour les oiseaux. Voilà. Petites graines comme ça. Un sachet de 750 grammes. Ensuite, on a racheté des pansements parce que je ne me souviens pas où j'ai mis les autres pansements, je les ai perdus. Donc j'en ai racheté et en plus je me suis coupée. Quelque chose de bien en plus. Donc voilà, au moins je vais pouvoir me mettre un pansement propre et tout et me nettoyer la plaie parce que c'est pas joujou. Ensuite, j'ai acheté des Nucini. C'est pas bien, mais voilà, à un moment donné je me sentais pas bien, j'avais pas mangé à midi et du coup j'ai acheté des Nucini. Milka. Vous en avez 5 à l'intérieur. Hein. Désolée si vous entendez que ça crie derrière, que ça gueule. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours la même qui gueule comme un veau. Je peux rien faire. Ensuite, ça y est, des nouvelles. Alors, vous avez des nouveaux diamond painting qui sont rentrés, hein, que je vous ai filmé. Je vous ai passé en short et tout. Pas en short, je crois pas. Je vous ai passé en vidéo et sur TikTok. Et sur Instagram, je vous ai partagé. Et là, j'ai trouvé des petites nouveautés comme ça, rayon enfant. Donc, il y a celui-ci. Normalement, je n'ai pas celui-là. Donc, il y a celui-là. Vous savez, c'est avec. C'est pas une toile, hein, vous savez, c'est un peu en genre de carton comme ça. Donc, attendez, on va quand même regarder à l'intérieur comment c'est. Voilà, elle est jolie. Vous voyez, c'est comme ça. Et des diamants, c'est des carrés, hein, toujours. C'est toujours des diamants carrés. Hop. Vous voyez rien. Comme ça, vous voyez. Hop. Vous voyez les jolies couleurs qu'on a. Ah, elle est un petit peu abîmée, celle-ci. Il faut faire attention quand vous prenez vos toiles. Moi, j'avais pas fait gaffe, mais elle est un petit peu abîmée, là, celle-là. Bon, c'était 99 centimes, je crois. Après, il y avait celui-ci. C'est du 18 x 23 cm. Donc on va regarder celui-là, comment est-ce qu'il est. Désolé, hein, c'est mon voisin, il fout la merde. Désolé, hein, si vous entendez taper. Comme d'habitude, il fout tout. Voilà, vous voyez. Qu'est-ce que je vous dis? C'est des tarés là-dedans. Et maintenant, ils s'amusent à lancer aussi des balles et tout. Donc, des gros cons. Donc, il y a celui-là. Et les diamants. C'est fatigant, moi je vous dis c'est fatigant quand vous vivez ici, c'est extrêmement fatigant. J'essaye de tenir parce que j'ai pas le choix, mais ça commence tout doucement à me taper sur le système. J'ai ma fuite au chauffe-eau qui est toujours pas réparée non plus, ils sont toujours pas venus la réparer. Ensuite il y avait celui-ci, avec la petite licorne, hop. Je vous dis, ici, ils sont bien pour prendre l'argent et puis le reste, ils s'en foutent, quoi. Ils font rien. Enfin, bref. Il y a celui-ci. Il est super mignon. Il est chou, hein. Choubidouf.
On dirait qu'il a plein de Lego. Donc il a des petits morceaux de Lego. C'est pas des Lego, c'est des petits trucs. Vous avez tout avec, hein. Vous avez le, la petite barquette, vous avez tout quoi. Les diamants. Bon, les diamants, c'est pareil. Hein. Ils sont pareils. Ils sont jolis. Moi, je vous montre comme ça. Ensuite, peut-être vous montrer quand même les diamants. Les diamants. Hop, ils sont comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. J'avais pas vu que les cartons, ils étaient vraiment très très abîmés. Mais ils étaient en train de changer tout le rayon. Et du coup, j'ai pas fait attention. Et ça, c'est la petite licorne. Et vous avez des nouveautés au rayon adulte, hein, Diamond Painting, hein, que je vous ai montré. Je vous ai passé plusieurs modèles. Ils sont chouettes, ils sont beaux. Mais j'en ai pas pris. Celui-ci, il est trop mignon avec la petite licorne, là, franchement. Il est trop chou sur une lune. Sur une lune, il est trop joli. Hop. Petit carré. C'est des carrés, hein. Voilà, voilà pour ça. Et le dernier article pour Action est... attendez, je reviens. Alors, pour le dernier article pour Action, j'ai trouvé enfin la palette, la Sperkle. Enfin, 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 je l'ai trouvée. Il y a 21 couleurs. Super jolie. Regardez les couleurs. Alors, on n'a pas de miroir. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas de miroir dans cette palette. D'habitude, je crois qu'on a un miroir, mais là, on n'en a pas. Et elle est comme ceci. Voilà, de très très jolies couleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de bruns. On va avoir des petits violets par ici. Attendez, je reviens à mon chat encore qui fait des conneries avec sa litière. Donc, on a été interrompu. Je vous disais que on avait des violets par ici et on a des bruns. On a une espèce de rouge ici. Voilà, c'est une très très jolie palette. Là, on a un blanc. Bon, il y a beaucoup de bruns de nouveau dedans. Et puis, on n'a pas de miroir. Voilà, dans cette île, il n'y a pas de miroir. Mais. Je ne sais pas si elle était pour les fêtes ou quoi. Voilà, moi, elle me fait penser un peu aux fêtes. Donc, je ne sais pas. En tout cas, elle est très jolie en général. Les comme ça, j'essaie de les prendre tout le temps parce que je les collectionne. Et puis, je les aime bien quand j'arrive à les trouver. Là, je l'ai enfin trouvé. Ils ont aussi sorti les blush cœur qui viennent seulement d'arriver chez nous. Bon, j'en ai pas pris. Et sinon, au niveau des nouveautés, c'est tout. J'ai rien trouvé d'autre au niveau des nouveautés. À part ce que je vous ai filmé, c'est tout. Ensuite, je suis passée à Auchan et j'ai acheté une petite épongette comme ça pour l'essence sans odeur. Voilà, je vais tester parce qu'il y en a qui disent qu'ils utilisent ça. Donc, je vais tester la petite épongette là. Voilà. Et puis, je suis passée à Bureau Vallée et j'ai pris deux crayons, deux stylos blancs comme ça pour faire un petit peu des petits effets dans les colos. Donc j'ai pris deux comme ça, j'en ai pris un gros, un peu plus gros comme ceci. Voilà, je sais pas du tout si ça va bien marcher ou pas. Hein. C'est Uniball Signo. Et celui-ci. Pareil, c'est du Signo. Là, il est un petit peu plus fin. Voilà, voilà. Et à Cultura, il y avait des crayons de couleur. Donc, j'ai eu un souci avec un de mes crayons de couleur qui a diminué, est devenu tout petit parce que la mine, en fait, elle n'arrêtait pas de se casser. C'est sur un Breitfeuner. Elle n'arrêtait pas de se péter. Je taillais, il se recassait, il se recassait, il se recassait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris. Et du coup, j'ai racheté plusieurs crayons de couleur, tant qu'à faire. Hein, en plus, il y avait une promo dessus. Donc, j'ai pris des Faber-Castell. Ça, c'est les Polychromos. Alors, j'ai pris cette couleur-là. Qui est la couleur, alors attendez que je vous dise ça, que je vois quelque chose, c'est le 156, c'est le 156, hop, j'ai pris un rose comme ceci, qui est le numéro 119, voilà, j'ai pris un bleu foncé, enfin un bleu foncé, et c'est un bon bleu foncé, alors c'est le 247, désolé si jamais vous entendez, c'est mon conjoint qui mange des chips.
C'est pas grave. Ensuite, on a celui-ci, le clair, c'est le numéro 103. On a le violet comme ça, c'est le numéro 138. Un rose framboise, le numéro 123. Un gris clair comme ceci, ouais, il y en a plusieurs, c'est le numéro 231. Et un espèce de rouge, c'est le numéro 121. Ils appellent ça le géranium, un truc comme ça. Alors, concernant ces crayons de couleur, je crois que c'était ceux-là. Ça m'a fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a un petit peu cassé mon. Ça m'a un petit peu abîmé mon papier. Et la couleur s'est effacée. Donc j'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais peut-être qu'avec l'essence sans odeur, ça fera plus ça. Donc là, il y a plusieurs crayons de couleur. J'ai voulu en tester deux comme ça de la marque Faber-Castell. C'est les Albrecht Dürer. Je ne connais pas du tout, mais j'en ai pris deux. C'est le 156, celui-là que j'ai pris. Et j'ai pris le numéro 154 pour tester. Et parce que je voulais aussi tester ceux-là, j'en ai pris plusieurs. Et pareil, il y avait une promo dessus. Alors ceux-là, c'est les Faber-Castell. Gold Faber Aqua. Alors ceux-là aussi, je comprends rien. Ça m'abîme le papier. Ça me laisse des trous. Ça me laisse des traces. J'ai pas compris. Le 158. Le 173 en kaki. Alors j'ai pris un vert foncé parce que j'en avais pas. Mais je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je sais pas m'en servir. Un kaki. J'ai pris un rose clair comme ça. C'est le 132. J'ai eu un problème avec mon taille crayon ici. Le 250, c'est un doré avec plein de paillettes. Et le 140, c'est mon chat qui pleure, faut que je regarde où il est. Le 140 comme ça, voilà, en bleu clair. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je ne savais pas m'en servir, mais en tout cas, ça m'a fait des trous, c'est moche, ça m'a fait des trucs trop moches. Je sais pas si je peux vous montrer. Attendez, je vais regarder. Je sais pas si j'arriverai à bien vous montrer. Oh non, il y a mon chat qui m'a mordu mon livre. Oh non, mais attendez, je reviens. Alors, je vais vous montrer ce que ça m'a fait. Alors, normalement, son visage, il est pas comme ça. Il devrait être plus foncé. Mais j'ai pris du clair parce que j'avais peur de mettre du foncé. De toute façon, j'avais pas la couleur foncée. Alors, ici, à ce niveau-là, je sais pas du tout si vous allez voir. Il y a des trous. On a des trous au niveau de son nez. Mais des trous faits avec le crayon de couleur. Hein. Alors ensuite, il y en avait où encore? Là. Ici. Là. Et où est-ce que ça m'a fait encore? Et puis ça s'efface. Je sais pas, j'avais passé ici avec les... ceux-là, c'était avec les Faber... Non, les Aqua... Dans les Gold Faber Aqua. Faber-Castell, j'ai repassé ici, puis ça n'arrêtait pas de s'effacer. Donc je n'ai absolument rien compris. Peut-être que je ne sais pas comment s'en servir, mais en tout cas, franchement, c'était tout pourri. Hein. En plus, regardez-moi ça, le trou dans son visage, quoi. Juste ici. C'est super moche. Je sais même pas comment rattraper ça. Non, mais franchement, je suis dégoûtée, hein. Franchement, parce que ça, c'était un colo que je voulais faire. Enfin, je vous dis pas, il m'est arrivé de ces trucs en ce moment, il m'est arrivé de ces trucs. Des trucs trop chelous. Voilà, donc écoutez, moi je testerai de l'essence sans odeur, je vous en reparlerai, je vous dirai si j'ai bien aimé ou pas. Voilà, si c'était facile à utiliser ou pas, si ça m'a abîmé des colos ou pas. Voilà. Et hop, je vais ranger ça avant que le chat il me le recroque. Et écoutez, moi je suis très contente d'avoir trouvé cette palette, voilà, je la trouve trop belle. Donc je suis très contente. Et pour les diamants painting, faites attention hein, quand vous en prenez, parce qu'il y en a quand même beaucoup là qui sont abîmés là. Hein. J'avais pas fait gaffe, mais il y en a quand même beaucoup qui sont abîmés. Donc faites attention hein, quand vous les prenez, mais ils sont trop mignons. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était pas très long. J'espère que ça vous aura plu. Et comme dit, hein, les coussins, ils sont pas chers hein, à Noza. Donc franchement, ça vaut quand même le coup. 1,81€. Je vais les mettre sur mon canapé, je pense. Donc moi je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. Et ben écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Surtout prenez bien soin de vous, amusez-vous dans vos loisirs, faites ce que vous aimez. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.